Salut à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, nous pourrons voir Scooby-Doo, Shock Troopers 2, Street Fighter 3, Mission X, Sonic Fury et la démo Amiga Geometrical Dreams signée du groupe Silence. Bienvenue sur Rétrovision. Content de vous retrouver sur ce cinquième épisode de la quatrième saison, avec encore une fois une programmation éclectique, puisque nous aurons des jeux allant du début des années 80 jusqu'aux années 2000. Et on commence comme d'habitude avec un point and click, plutôt destiné aux petits-enfants, puisqu'il s'agit des aventures de Scooby-Doo dans un épisode intitulé « Le secret du Sphinx » édité par Mindscape en 2002 sur CD-ROM PC. Et voilà, les amis. L'histoire prend bien évidemment place en Égypte, dans un endroit touristique, loin de toute révolte, où Scooby-Doo et ses amis sont venus rendre visite à la cousine de Vera, Thelma, une égyptologue qui s'est malheureusement fait enlever par une mystérieuse momie. Comme vous vous ressemblez. C'est clair, c'est une Dinkley. Et elle fait quoi en Égypte, ta cousine ? Le but est de collecter un total de 6 indices pour pouvoir enfin découvrir qui se cache derrière l'effrayante créature. Ceci étant, la décision finale revient au joueur, qui devra cliquer sur le suspect qui paraît, selon lui, être la cause de toute cette pagaille. Une momie, une momie, sortons d'ici ! Oui ! L'action est ponctuée par quelques épreuves intermédiaires, mélangeant adresse et réflexion. Le gros point fort de ce jeu est du point de vue graphique. On croirait presque regarder le dessin animé du temps des années 70. En plus, le style pointé et cliqué colle merveilleusement bien à l'univers des Scooby-Doo. Dans un style très Hanna-Barbera, les fans de la série ne seront pas dupés. Autre détail à mentionner, les énigmes qui font référence à la première génération des épisodes de Scooby-Doo. En effet, il s'agit bien de démasquer un homme ou une femme qui s'est volontairement déguisé en monstre pour défendre ses intérêts. Nous n'avons donc pas affaire à de vrais fantômes réels, comme on peut le voir dans des séries animées plus récentes. Par contre, le doublage des voix, lui, a bien changé. Si celui de Vera, Fred et Daphné passe plutôt bien, ce n'est pas du tout le cas pour Scooby-Doo et Sammy, où l'on regrettera l'un des meilleurs doubleurs de sa génération, le sublimissime Francis Lax. Ce CD-ROM est le deuxième d'une série de 4 enquêtes. Et si vous êtes fan de ce dessin animé, essayez-en au moins un, car il reste quand même bien fidèle aux premières aventures de Scooby-Doo. Il n'y a personne ici. Alors en route, nous devons retrouver Thelma. We must stop these armed teams. They have only 72 hours to accomplish their objectives. The 4 specialists will exterminate the troops of DMC. They will never be defeated. Shock Troopers!
second squad. En 1998, Sorus eut la bonne idée de donner une suite à son génial Shock Troopers sorti un an auparavant. Dans ce run and gun en vue de dessus, vous devez une nouvelle fois mettre en échec les plans de l'organisation terroriste DIC. Ces derniers menacent de réduire en poussière la nation Bilberk par le biais d'une arme de destruction massive. Heureusement, le commando spécial du 2e bataillon des Shock Troopers assure la relève et va se faire une joie de partir à l'assaut pour dégommer tout ce qui bouge. À la sélection des membres de l'équipe, nous avons le choix parmi 4 combattants. Léon, Angel, Lulu et Toy. Chacun ayant leur aptitude et un armement personnalisé, tir principal améliorable et quelques bombes. Il est aussi possible d'avoir recours à une panoplie de véhicules lourdement armés, mais avec une durée de vie limitée. Le principe reste identique à Metal Slug et ce ne sera pas de trop pour détruire les cibles opposées. Et des cibles dans Shock Trooper, croyez-moi, il y en a. Peut-être un peu trop, même si l'on en juge parmi les nombreux ralentissements qui nuisent à la maniabilité. La Neo Geo en arrache et elle est exploitée à son maximum. Il ne faut donc pas trop lui en vouloir pour ça. Sorus a mis le paquet graphiquement parlant. Tout est bien détaillé, que ce soit pour les décors ou les sprites, avec une représentation SD. Mais la palette de couleurs est tout de même moins chaleureuse que le premier épisode, avec des teintes gris très métalliques. L'animation quant à elle est correcte, les commandes répondent au doigt et à l'œil. Shock Trooper 2 Second Squad est nettement inférieur à son grand frère, Shock Trooper premier du nom. Malgré de beaux graphismes et de bonnes idées, rien à faire, la mayonnaise ne prend pas. Le projet était sans doute un peu trop ambitieux pour les capacités de la Neo Geo. Peut-être aurait-il fallu l'adapter sur la Saturn de Sega, qui sait. Mais pour les amateurs de run and gun pur et dur, Shock Trooper 2 est tout de même un bon divertissement. Et un défi difficile, surtout contre les boss de fin de niveau. C'est en 1997, sur le prestigieux système d'arcade CPS3, que Capcom sort enfin le Street Fighter portant le chiffre 3.
Sous-titré New Generation, ce versus fighting en deux dimensions était une suite très attendue, aussi bien pour les aficionados de la baston technique que par les joueurs occasionnels. La première chose qui attire notre attention, c'est le choix des combattants qui nous sont proposés. Et là, surprise, seuls Ryu et Ken sont rescapés parmi 9 autres personnages pour un total de 11. Pour ce test, j'ai sélectionné Ibuki, Yoon et Sean qui ont chacun une palette de coups efficaces. Côté graphisme, on nous en met plein la vue. Le caractère design est bien détaillé et les artworks donnent un côté plus sérieux et moderne. Les musiques sont, comme toujours avec Capcom, très agréables, mais c'est surtout du côté de l'animation que Street Fighter 3 est impressionnant. Tout est ultra fluide, rapide et incroyablement détaillé, sans le moindre ralentissement. Le gameplay, très important dans les versus fighting, reprend le principe récurrent des attaques spéciales et des mouvements de base. Mais là où il y a les innovations majeures, c'est au niveau des furies, ou Super Art. Celles-ci sont sélectionnables et limitées à 1 par combat ou 1 par round si l'on est en mode de joueur. Cela implique que votre adversaire, en supposant qu'il s'y connaisse un tant soit peu, va pouvoir anticiper vos super attaques. Autre détail, le pari, P-A-2-R-Y, qui consiste à bloquer ou dévier un coup sans subir la moindre perte d'énergie et ainsi prendre l'avantage sur votre opposant. Street Fighter New Generation est une réussite totale. Capcom a su donner un nouveau souffle à la série tout en restant fidèle au genre qui a engendré son succès. Et que dire de ces deux suites qui reprennent le principe de base tout en y ajoutant quelques nouveautés absolument grandioses. Mission X est un shooter à scrolling vertical sorti en 1982 sur l'Intellivision de Mattel. Vous êtes aux commandes d'un avion de la Seconde Guerre mondiale et votre mission est de détruire le plus grand nombre de cibles tout en esquivant les tirs ennemis. Pour cela, il faudra larguer vos bombes avec précision selon l'altitude que l'avion aura pris. Si celle-ci est haute, les bombes mettront plus de temps à atteindre le sol qu'à faible altitude et inversement. Et ce n'est pas les cibles qui manquent, puisque nous avons des tanks, trains, avions, cuirassés, ponts et bien d'autres. Et il y a même un mode de nuit vous donnant l'impression d'avoir fait un long et joli vol. Petite sélection flipper avec trois tables magnifiques. Commençons avec World Runner, construit par Atari en 1979. Ce flip est l'adaptation du célèbre cartoon des studios Warner Bros. Roadrunner. On y retrouve les deux célèbres personnages que sont Bip Bip et Vil Coyote dans une interminable poursuite. A noter qu'à chaque début de partie, on peut entendre le générique original de la série créé par Chuck Jones en 1949. C'est bien connu, tous les amateurs de salles obscures et enfumées ont déjà croisé un flipper reprenant un groupe de rock. Et en 1994, c'était au tour des Guns N' Roses d'afficher leur frimousse.
Durant la partie, plusieurs chansons sont diffusées, dont notamment le célèbre Welcome to the Jungle, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance. Encore une adaptation d'un des plus célèbres jeux vidéo de l'histoire, Mr. and Miss Pac-Man. Cette machine est beaucoup moins connue que Baby Pac-Man, mais il faut dire que cette fois-ci, il n'y a pas d'écran pour commuter entre deux modes de jeu. Ici, on dispose juste d'un petit indicateur sous forme de pastille lumineuse située en plein milieu, avec un principe difficile à assimiler lors des premières parties. Ready for action. Welcome to final exams, Lieutenant. This is where we find out if you're good enough to fly with the Sonic Fury. On vous avait promis de vous montrer d'autres cassettes VHS pour le jeu à pistolet optique Action Max, chose due avec Sonic Fury, le titre le plus populaire puisqu'il était fourni directement avec la console. Le scénario tient sur un ticket de métro, un escadron se fait attaquer durant une séance d'entraînement et il faudra viser avec précision sur les cibles ennemies et non sur les alliés. La console va différencier les tirs via le capteur lumineux posé sur la télé. Le film fait clignoter des ronds blancs à deux fréquences différentes qui vont être décodées par l'Action Max tout en attendant un éventuel tir de la part du joueur. Si vous voulez voir d'autres vidéos réalisées pour ce jeu électronique, rendez-vous sur l'épisode 1 de la 4ème saison avec The Rescue of Pops Ghostly. C'est reparti pour une nouvelle rubrique LCD. On commence avec Oil Panic, un Game & Watch multiscreen. Vous dirigez l'ouvrier du haut de l'écran afin qu'il récupère l'essence s'échappant d'un tuyau. Une fois rempli, il faudra le vider dans le seau du bonhomme juste en dessous, en prenant garde de ne pas en laisser échapper par terre, et encore moins sur les clients. Mickey Mouse est un Game & Watch licencié par Disney où vous contrôlez la célèbre souris ayant la tâche difficile de ramasser les œufs dans un poulailler. Chacune des quatre directions correspond à une poule et à la moindre erreur, l'œuf s'écrase pour libérer un petit poussin. Et au bout de 3 œufs cassés, la partie s'arrête. Encore un LCD avec Mickey, mais cette fois-ci accompagné de son compère Donald Duck. Sous la peau d'un acrobate, Mickey devra jongler avec le plus de bâtons possible tout en esquivant ceux qui sont enflammés. Sinon, Donald piquera sa crise habituelle à chaque essai manqué. Rétrovision vous propose une petite balade dans une salle d'arcade avec un échantillon de ce que l'on peut trouver de nos jours. Commençons avec Tekken 6 Bloodline Rebellion. Sorti en décembre 2008 sur le Namco System 357, celui-ci utilise le hardware de la PlayStation 3. Il est donc complètement identique à la version console. Big Buck Hunter Open Season est une des suites de la série des célèbres simulations de chasse. Elle comprend de nombreux ajouts avec notamment de nouveaux animaux et pas mal de terrains de chasse supplémentaires. Les bonus stages sont maintenant au nombre de 24 au lieu de 15. N'oublions pas aussi les Big Bug Girls, et oui, qui viennent régulièrement encourager le joueur entre chaque niveau.
Voici une excellente simulation de course automobile Maximum Tune 3 qui est l'adaptation du manga de Michiharu Kusunoki. La borne dispose d'un siège ajustable avec pédalier et boîte de vitesse. Le système utilisé est le Namco N2, commercialisé depuis 2003. Tout comme le système 357 de Tekken, l'architecture du N2 est construite sur la base d'un PC, et donc sur un matériel déjà existant. H2O Overdrive est un jeu de course aquatique sorti en 1999. Cette borne lumineuse et très aguichante vous propose de piloter un des 9 hors-bord sur 7 circuits différents. Des armes sont à votre disposition pour déstabiliser vos concurrents et de nombreuses options sont récupérables. Malgré de beaux graphismes en haute définition, cette simulation souffre d'une maniabilité vraiment plus que moyenne. H2 Overdrive fut adapté sur Dreamcast et Nintendo 64. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de voir la démo Amiga, je voulais vous annoncer que la chaîne Rétrovision sur Dailymotion est dorénavant ouverte. Alors n'hésitez pas à venir vous abonner en grand nombre pour être sûr de ne rien louper des émissions à venir. Je tenais aussi à remercier Greg de Gamepedia.fr qui a assuré la mise en ligne de tous les anciens épisodes. On se retrouve dans quelques semaines, d'ici là, amusez-vous bien et à bientôt.